course, I discovered my biggest fear. Maintenant, avec le cours, j'ai découvert ma plus grosse peur. And that's my fear of rejection. Et c'est la peur du rejet. And, well, the most difficult is that all the rejection I got was my own rejection. Et le plus difficile, c'est que tout le rejet que j'ai vécu, c'était mon propre rejet. And now I have to accept. I think I have to accept. Et maintenant, je dois accepter, ou en tout cas, je pense que je dois accepter. The awful thing that I did it all myself. La chose la plus horrible, c'est que je le faisais à moi-même. But in that process, dans ce processus, I still think, well, stop smoking first, lose your weight, and then do the work. Dans ce processus, je continue quand même encore à penser. Ok, perds du poids, arrête de fumer, et ensuite accepte-toi. Because it is so difficult to accept myself as I am now, in kilos, I think, and smoking. Parce que c'est tellement difficile pour moi de m'accepter tel que je suis aujourd'hui avec ces kilos et qui fume. And I feel that it is, I can't accept the fact that I did it all myself. Je crois que c'est parce que je ne peux pas accepter le fait que je me suis fait ça moi-même. And that's where I'm, stuck. Et c'est là où je suis coincé. I don't know what the question is, it's the situation where I'm in. So, perhaps you can help me. Je ne sais pas quelle est la question, mais c'est en tout cas la situation dans laquelle je me trouve, et donc peut-être que vous pouvez m'aider. Yes, it really comes down to getting clear on responsibility. Ça revient vraiment à mettre de la clarté sur la responsabilité. And already we have talked about sickness and the belief that I am responsible for making myself sick. Et donc on a déjà parlé de maladie et de la croyance que je suis responsable de me rendre malade. Or we could say I am responsible for making myself overweight or a smoker. Ou je suis responsable de me rendre grosse ou d'être une fumeuse. So let's look closely at the idea of responsibility. Donc regardons de façon rapprochée à l'idée de responsabilité. Jesus says in the course, you are not responsible for the error, but you are responsible for accepting the correction for the error. Jésus dit dans le cours, vous n'êtes pas responsable de l'erreur, mais vous êtes responsable d'accepter la correction de l'erreur. He also says, do not project the error to time. Il dit aussi, ne projette pas l'erreur dans le temps. So both of these are keys to the answer for you. Et donc, ces deux choses sont des clés pour la réponse à votre question. When we look at the original error, it is a belief in separation from God. Quand on regarde à l'erreur originelle, c'est une croyance en la séparation de Dieu. And that belief was so painful that it was pushed out of awareness into the unconscious. Et cette croyance était tellement douloureuse qu'elle a été réprimée de la conscience. And a whole world was projected to minimize that terror. Et un monde entier a été projeté tout simplement pour minimaliser cette terreur. Jesus calls this moment the unholy instant. Jésus appelle ce moment le moment non saint. So the pain of the unholy instant is diluted to time and spaced out over millennia. Et donc ce moment-là est dilué dans le temps et il a été projeté sur des milliers d'années. So when the mind judges the body as being too big or smoking or being sick, it's simply projecting the error to time. Et donc quand l'esprit juge le corps comme étant trop gros ou fumeur ou sick ou malade, en fait, dilue cette erreur, donc la séparation, dans le temps, et la projette dans le temps. Yeah. And this is what Frances referred to earlier when she was talking about the problems seem to be specific.
like smoking or being overweight. Those are very specific problems. C'est de ça que Frances parlait plus tôt quand elle disait que le problème semble être spécifique. But we discover when we try to solve the problems in specific ways that they never all go away. There's new ones that come. Et ce qu'on découvre, c'est que quand on partage les problèmes, on les voit spécifiques, ils ne s'en vont jamais vraiment parce qu'il y en a toujours des nouveaux qui reviennent. And also, Frances and I have talked how the deeper you go, the problems still seem terrifying. There's a fear there, but it's non-specific. It's a non-specific terror. Et donc Frances et moi aussi avons parlé du fait que plus vous allez en profondeur, et plus le problème semble être non-spécifique. Et donc c'est vraiment une terreur très profonde. There is a subsection of A Course in Miracles titled The Fear to Look Within. Il y a une sous-section dans le Cours en Miracles qui s'appelle La peur de regarder à l'intérieur. In fact, this whole world was made as a distraction to keep the mind from looking within. En fait, ce monde entier a été fait comme une distraction pour empêcher l'esprit de regarder à l'intérieur. So I remember when I was in university, I was very contemplative. I was pondering, what is the meaning of life? Et donc quand j'étais à l'université, je me souviens que j'étais très contemplatif et je me demandais toujours quelle était la signification de la vie. And I sensed that in order to discover this meaning, I would have to question everything that I believed. Et ce que je sentais, c'était que de façon à découvrir cette signification, j'aurais besoin de vraiment questionner tout ce en quoi je croyais. But over the years, the more I questioned and the deeper I went within. Mais durant toutes ces années, plus je questionnais et plus je rentrais à l'intérieur. I encountered intense fear and rage. Je rencontrais vraiment des peurs de plus en plus intenses et une rage profonde. So I was peeling away the layers of the onion and finding more rage underneath. Et donc j'épluchais vraiment toutes les couches de l'oignon et je découvrais à chaque fois plus de rage encore. And this is why we can have many symptoms, act out many things in behavior without getting down to the root cause of the behavior. Et donc c'est pourquoi on peut vraiment agir. C'est pourquoi il est possible qu'il y ait beaucoup de symptômes qui passent dans le monde, qui soient projetés dans le monde, sans jamais en arriver en fait à la racine, à la cause racine de ces symptômes. So we take this journey to uncover the ego's rage. Et donc on voyage, on prend vraiment ce chemin pour découvrir la rage de l'ego. And to accept a new purpose for the whole world. Et pour accepter un nouveau but pour le monde entier. When we are training our mind and learning to listen to the Holy Spirit, we are doing it for the whole universe. Quand on entraîne notre esprit et qu'on écoute le Saint-Esprit, on le fait vraiment pour le monde, l'univers entier. And it is a very deep, profound calling that we have. Et c'est vraiment un appel très profond que nous avons. And you will face the fears as you go along, but you are responsible for accepting the correction. Et vous allez faire face à des symptômes alors que vous avancez sur ce chemin, mais vous êtes responsable uniquement d'accepter la correction. The temptation of the ego is to focus on mistakes and to identify with the mistakes. La particularité de l'ego, c'est de se centrer, de se concentrer vraiment sur les erreurs et to focus on the mistakes and to identify with the mistakes. Et de s'identifier aux erreurs. And this is why the mind feels fearful and unworthy of love. C'est pour ça que l'esprit se sent indigne et effrayé de l'amour. Even Helen Schuckman, the scribe of A Course in Miracles, had tremendous anxiety while scribing the course. Même Helen Schuckman, qui était celle qui a reçu le cours, avait d'énormes anxiétés et d'énormes peurs alors qu'elle recevait le cours. Because
She had a highly developed scribal ability, but she had misused it in a past lifetime. Parce que c'était vraiment un très bon scribe, mais elle l'avait mal utilisé dans une vie antérieure. So everyone that I join with and work with very deeply uncovers this deep unworthiness. Et donc tous les gens avec qui je travaille de façon très profonde et très proche découvrent cette profonde indignité. But my invitation is join me and let's be miracle workers as a way of undoing the unworthiness. Mais mon invitation est toujours rejoins-moi et soyons des faiseurs de miracles de façon à découvrir défaire cette indignité. Us, they show us how worthy of love that we are. Les miracles nous montrent et nous enseignent combien on mérite l'amour. And I'm reminded of that interview I had in Ireland at the radio show. Je me souviens d'ailleurs de cette interview que j'ai eue à la radio en Irlande. When they asked me who is David Hofmeister. Quand ils m'ont demandé qui est David Hofmeister. The parable came to through of how I was. La parabole m'est venue de quand, comment j'étais. What happened as I changed my purpose. Ce qui s'est passé quand j'ai changé mon but. And how things are now. Et comment les choses sont maintenant. And anyone who's familiar with like even 12-step programs, it's the same path of healing. Et qui que ce soit qui est familier même avec les programmes en 12 étapes de c'est le même processus. We are open to say this is how I'm experiencing it without hiding anything. On est ouvert à vraiment pouvoir être honnête avec le fait que voilà, c'est comme ça que j'expérimente les choses aujourd'hui. We get down on our knees and we call upon the higher power for help. On se retrouve à genoux et on appelle le pouvoir supérieur pour de l'aide. And then we are lifted up in love. Ensuite, on est élevé dans l'amour. And the closer we get to love, we may protest. You know, you don't want me, you don't know me. Et plus on se rapproche de l'amour, et on peut peut-être protester encore et dire, tu ne me veux pas, tu ne me veux pas. But the spirit is more like cradling. It's, oh, yes, I do, my child. Le spirit, il est plutôt, il nous cajole et il nous dit, mais si, bien sûr, mon enfant, que je te veux. Yeah, your sharing really touches the heart. Oui, ton partage me touche vraiment le cœur. We all express it in different ways, but everything that we've ever done in this world is to cover over that deep feeling of unworthiness. Maybe it's not in our conscious mind. On l'exprime tous de façon différente. Et tout ce qu'on a toujours fait dans ce monde, c'était pour recouvrir justement ce profond sentiment d'indignité. In fact, the deeper you go into this forgiveness, what my experience has been is that I had a pretty strong self-concept. Et donc au plus profond, vous allez dans l'expérience du pardon. Par exemple, pour moi, j'avais un concept de soi assez fort. And the world, things seemed to be working. Et le monde semblait vraiment marcher très bien. And as I started to face these deep-seated feelings of unworthiness, I saw how deep it went. Et quand j'ai commencé à faire face à ces profondes croyances bien enracinées d'indignité, j'ai alors seulement commencé à réaliser combien c'était profond. Yes, the more you have been convinced that you have it pretty good in this world. Oui, en effet, plus vous êtes convaincu que ben, vous avez plutôt été gâté dans ce monde.
more you have to undo. Au plus vous avez à défaire. So this world is backwards and upside down. Ce monde est vraiment à l'envers et pour les renverser. If you feel like you've been highly successful in this world, si vous sentez que vous avez été super plein de succès, vraiment plein de succès dans cette vie. Like you've met the world on the world's terms and you've learned how to master the world pretty well. Comme par exemple vous avez rencontré le monde en termes du monde et vous avez été très, vous avez eu beaucoup de succès à cela. Powerful, rich, successful, sexy. Puissant, riche, sexy, plein de succès. Like Marilyn Monroe. Comme Marilyn Monroe. If that's your state of mind, you are twice removed from reality. Si c'est votre état d'esprit, vous êtes deux fois plus loin de la réalité. Because reality has nothing to do with this world. Parce que la réalité n'a rien à voir avec ce monde. Then again, there are those that have been fighting addictions their whole life. Ensuite, il y a aussi ceux qui ont combattu des addictions pendant toute leur vie. They have faced extreme emotional pain. Ils ont fait face à des douleurs émotionnelles intenses. Sometimes they find themselves in a recovery program or a 12-step program. Parfois ils se trouvent dans un programme de 12 étapes. They feel like their life is ruined or shattered. Ils ont l'impression que leur vie est ruinée. And they get down on their knees and they cry out, "Help me, Lord, help me." Ils se retrouvent sur leurs genoux et ils crient au secours et demandent « Seigneur, aide-moi ». My life is unmanageable. Ma vie est indirigeable. These are the ones that are once removed from reality. Ceux-là sont ceux qui sont seulement une fois loin de la réalité. They are much closer to the conversion that the Holy Spirit is taking you on. Ils sont bien plus proches de la reconversion à travers laquelle le Saint-Esprit vous emmène. So if you had an extremely challenging and difficult life, si vous avez une vie extrêmement difficile et pleine de challenges, there is a blessing underneath this challenge. Il y a vraiment une bénédiction en dessous de ces challenges. And this is what Suzanne was just referring to. Et c'est vraiment à cela que Suzanne se référait. There was a point where she believed she had it all. Il y avait un moment dans sa vie où elle croyait vraiment qu'elle avait tout réussi. She had a husband, a beautiful ranch. Elle avait un mari, un beau ranch. And worked with a beautiful horse. Elle travaillait avec des chevaux. Had a beautiful cat. Elle avait un beau chat. She was content with her Course in Miracles book and the world. That seemed like a pretty nice world. Elle était contente avec sa vie comme elle était et le cours en miracle et le monde parce que ça semblait être vraiment un beau monde. But then she met me. Mais ensuite elle m'a rencontré. And the bottom fell out. Le fond s'est ouvert. And all the house of cards came crashing down. Et le château de cartes s'est effondré. Because in her heart she was calling for healing. Parce que dans son cœur, elle appelait vraiment la guérison. It was very genuine, sincere prayer of the heart. C'était vraiment véritable et c'était une prière sincère du cœur. And it's not like anything is destroyed. It's all just retranslated. Ce n'est pas comme si tout est détruit. C'est simplement retraduit. Like you were mentioning, you could see it involved community and healing, and it was not expensive. Comme tu disais que tu pouvais voir que ça avait à voir avec une communauté, la guérison, et c'était pas cher. Yeah, I'm sure when you were a little girl, you weren't thinking, I will grow up and watch YouTubes every day and be so happy. Je suis sûre que quand tu étais petite, tu ne te disais pas, ah, quand je serai grande, je vais regarder des YouTube pendant toute la journée, je serai tellement heureuse. Because there were no YouTubes. Parce qu'il n'y avait pas de YouTubes. But it's all just coming in as reflections of healing. Mais tout ça vient comme des reflets de la guérison.